Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve une fois de plus sur la mission de Chihuahua. On n'est pas loin de la fin, il faut tenir encore un peu. Mais les bugs peuvent nous embêter un peu. C'était effectivement un bug, hein, le fait que quand les commandos du cartel essaient de s'enfuir, ils prennent un véhicule, on peut plus leur tirer dessus. Ce qui est très con, bien évidemment. Bon, ils nous tiraient plus dessus non plus, mais c'est pas satisfaisant, on va dire. Donc, on est reparti un petit peu en arrière de nouveau. On va essayer de les nettoyer en rasant le bâtiment, en avançant, en défonçant tout ça. On va se préparer aussi, dans l'intervalle, à, si possible, accueillir notre ami Légion. Toi, t'as repris 200 munitions, ça suffira. Viens jusqu'ici. Le camion de ravitaillement, c'est vraiment trop risqué. On se déplace en masse ici, on abandonne ce côté-là, du coup. Alors, le problème, c'est qu'ils sont obligés de courir par là pour se déplacer, mais bon. On est en train de les dépouiller. Toi, t'as plus de munitions. C'est quoi que t'as plus comme munitions? Ouais, s'il va falloir qu'on amène le camion de ravitaillement, y a pas le choix. C'est trop la mouise, sinon. On va essayer de le mettre à un endroit un peu près safe, genre par là. T'as quand même encore la mitrailleuse, tu peux faire le taf. Bah, ici le mec qui s'est fait défoncer alors qu'il fuyait. Là il y a un lance-grenade là. Saloperie. Ok, il est géré. C'est parti, on avance. Toi ton lance-grenade il est capable de tirer jusqu'où? Faut pas la petite jauge là. Ok, si, tout là-bas. Ok, donc toi tu vas rester là, c'est pas toi qui va donner de la vision, on va avancer avec ceux qui sont un peu plus tanky. Et on va se préparer à accueillir Légion. Donc ici c'est l'assaut, parfait, là ils ont repris le véhicule. Fini leur réparation, repris le véhicule. Notre artillerie va faire ce qu'il faut. Là il y a encore des véhicules à récupérer, c'est parfait, faudra qu'on fasse un gros tour de ramassage avant de partir. Ici, essayez de foncer jusque là si vous pouvez. Ceux qui sont à sec de munitions se sont repliés. Le taux là, il va pas servir à grand chose. Notre camion de ravitaillement, il est pas encore arrivé. Ici. On est parti. Nos sauts sont en position. Our intel says this area is where Legion will try to evacuate the cartel commanders from. Enemies inbound. Did good, Troublemaker. Ok, on a réussi à éliminer les commandants, ce qui veut dire qu'on n'a plus que eux à gérer. Recule-toi, t'es trop endommagé. Là, avancez jusqu'en haut. On se prépare. Ils ont droppé là les RF6, on les a vus. Alors on va prendre les véhicules un peu tanky parce que toi tu vas te faire défoncer, c'est sûr et certain. Toi t'as plus de munitions, ça sert à rien. Hop, vous trois, foncez là-haut. Ils vont les faire se rendre. C'est rigolo parce que du coup ils ont pas fait un tour complet, on les a shootés avant, ils ont juste lâché leur mec et après ils s'enfuient. Ce qui serait bien, c'est que tu drop ta remorque et qu'après tu viennes là. Vous êtes un peu trop avancé. Reculez. Chihuahua's free. Took long enough, but we got there. Then you'll be leaving soon? Going back north? Got business there.
founder's business. You founders, guys. All about duty and orders. You could stay here a while. Enjoy some of the freedom you helped give these people. It's a nice idea, but Sergeant's right. Our mission takes us back north. I hear that. Let's get packed up and ready to go. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Mais on peut néanmoins commencer à prendre position. Là, on va aller chercher ça. Alors toi, tu vas être à court de carburant de toute façon. Ici. Oh putain, on a plus rien. Tellement plus rien. Essayez d'aller jusque là. Toi, tu remballes. Qu'est-ce qu'on a comme troupe? Là, on a de la milice de base. Eux, ils vont pouvoir aller chercher ça. Vous. Là, on a rien qui est rentré, du coup. Ça, c'est un camion citerne. Pourquoi pas, on va aller le prendre. Enfin, quoique, d'abord, on va aller prendre le MV, l'autre MV, celui-là. L'APA 1, niveau de carburant faible. C'est qui l'APA 1? C'est toi, ouais. C'est les véhicules qu'on a ramassés. Ok. Bon, là, on a du lourd sur les... des bouts de véhicules aériens qui volent. Réparer. Là, on a quoi? On a des techniciens ici, donc ils pourraient conduire des véhicules. Faut qu'on voit ce qu'on a comme véhicule potentiel. On a aussi pas mal de potentiellement de trucs à ramasser, même si je pense que c'est du mec du truc de base. Là, il y a peut-être un saut. Bon, c'est du RPG-7, ça c'est du cadence sans recul. Non, même pas une mitrailleuse lourde. Standard, de type standard. Il y avait d'autres véhicules ici, voilà, parfait. Donc on va... Le véhicule de transport blindé, on va l'amener jusqu'ici. Et on revendra hein, s'il faut, ça nous fera un petit peu de sous. Là on a tout détruit, pas plus mal. Là-dedans on a quoi? Ça c'est des mecs qui peuvent piloter aussi. On est par là. Les RF6, on les a annihilés, c'est excellent. On va sortir les pilotes là, on va prendre ce camion citerne, on va venir remplir le plein de tout le monde. Tant qu'à faire, ce sera fait. Parce que mine de rien là, on a consommé du carburant hein, sur ce run. Toi, ramasse ça, vous tous. Allez donc vous mettre en tas là-bas. Hop. Qui peut conduire? Toi, tu peux prendre ce véhicule. Vas-y. Normalement, on a un camion citerne dans le coin là. Non, pas ici. Il était où le camion citerne? Il était par là, je crois. On le voit pas parce qu'on n'a pas de vision. Bon, du coup, c'est pas la peine. On va aller juste envoyer lui dans la zone là, voir si à tout hasard les camions se sont remplis, mais je pense que non. Là, il y a un camion citerne ici. On a personne pour le conduire à portée. Le plein est fait. Le plein est fait. Le plein est fait. Là aussi, parfait. Toi, vas-y. Commence à se diriger vers la sortie de zone. On a un taux ici. Tiens, ramasse-le. Du coup, on va pas faire le ravitaillement. On utilisera le ravitaillement pour ça. Toi, tu peux conduire un truc. Tu vas aller chercher ça. Toi, on va faire le plein. On a un camion de type camion. Alors là,
Toi t'es là, ok parfait, ça ça sort. Ça ça sort, ah il y a plein de véhicules là. Chopez moi ça, vous allez me choper celui-là. Vous allez me choper celui-là, toi va faire le plein. Faut qu'on envoie un camion citerne à lui en fait parce qu'il est, trop... il peut plus bouger. Si on veut se barrer avec, il va falloir qu'on le recharge. Le plein est fait, le plein est fait, le plein est fait. Toi t'es en position là, est-ce que tu te recharges? Non, ils sont toujours à sec. Ok, c'est parti. Du coup ça veut dire que tout ça... Alors non, faut qu'on colle les... Faut qu'on ramasse les plateformes quand même, ce serait ballot de partir sans. Ici on peut réparer parce qu'on peut pas bouger. Là. Allez récupérer du carburant. Là, on va réparer un peu. On va réparer un peu. Ici, on est quasiment le plein, mais on va y aller quand même. Vous, vous pouvez abandonner cet endroit et vous tirer. Tranquillou, pareil pour vous. Toi, quand tu étais de carburant faible. Ah oui, parce que du coup, il tape dans son propre carburant, rigolo. Toi, répare un peu. Toi, répare un peu. Toi, répare également. Toi, va faire un plein. Alors là, il nous reste des mecs capables de piloter. On va les sortir. Je sais pas où ils sont, mais on fera le tri après. Tac, tac, tac. Ici, on répare. Ok, vous tous, rendez-vous là-bas. Toi, t'attends le ravitaillement. Ici, on répare. Ici, on répare. Là, on chope ce petit camion citerne des familles. On répare. Camion de ravitaillement avec rien dedans, mais on pourra toujours le revendre. Est-ce qu'on a une possibilité éventuellement de prendre ce Bradley? Je suis pas convaincu, malheureusement. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de... On peut pas faire monter de niveau nos troupes avant. Vous, par contre, vous pouvez aller conduire ce camion. C'est parti. Ils y vont pas en rampant. Non, ils y vont pas en rampant. Ça va. Là, on répare. Ne peut pas tirer. Oui, c'est pas grave, ça. Go. Ils sont où, nos rangers, du coup? Ils sont là, ok. Toi, va faire un petit plein. Vous tous. C'est parti. On va faire un petit plein. Toi, t'as fait le plein. En avant. On s'arrache. Ah, ici, il y a quelqu'un qui a pris le char à notre place. Merde. On peut essayer d'aller prendre ça, du coup, si on marche pas sur des mines. Mec coincé là. Alors on va voir, au pire on perd Malboom 2. Putain, il y a plein de mines partout. Bon, visiblement elles sont plus dangereuses. Okay, parfait. On répare ça. Et il a quasiment pas roulé, donc on va pouvoir y aller. Ici, on a fait le plein. Toi, tu remballes. Et tu vas là. Vous, vous barrez. Petit tour. Là, il y a un camion standard. Donc, il faudrait qu'on pense à avoir des troupes expérimentées en pilote de char. Alors là, il y a peut-être moyen d'avoir des choses à ramasser, par contre. Avec tous les REV6 qu'on a éliminés. On va aller faire un petit tour. Voilà, il y a de la mitrailleuse, là, à plasma. Mais je crois que... On est déjà couvert en trucs comme ça.
Go. Ah ouais, là ils sont... Il est beaucoup trop endommagé lui. Merde. Il peut bouger. Il peut pas bouger. Est-ce qu'on a moyen de réparer ça? Non, parce que même pour remplir les pièces de rechange, elles peuvent pas être approvisionnées pendant la mission. Donc bah non, coup, tant pis, faut sortir. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, il y a d'autres mecs, ils sont pas morts en fait. Oh le drame. Oh la vache, le drame. Oh quel enfer, les saloperies. Demi-tour. Ah putain, j'ai pas vu venir ça, on a tout ramené du coup. D'accord. Ah ouais, on va pas se faire des ref 6 avec ce qu'il nous reste là, c'est mort. Il nous reste quoi? Que dalle, absolument rien. Deux miliciens là. Non, bah du coup, il va falloir qu'on recharge la partie peut-être. Ah, parce que là, ils sont en train de rentrer, ils vont lancer un assaut corps à corps, ils vont nous défoncer. Le sniper a l'air de réussir à faire le taf, on va attendre un peu. Ok, c'est fait. Là, il y a un hélicoptère qui a tenté un truc et qui s'est fait défoncer. Donc ouais, en fait, il y a carrément la blinde de monde ici. Bon, on a perdu une milice. C'est chiant, mais on va dire que c'est pas non plus dramatique. Ça aurait pu être bien pire que ça. Vous allez vous tirer, du coup. Espérant que ça les excite pas suffisamment pour qu'ils lancent un assaut. Là-bas, repli. Ici, on a récupéré le camion-citerne. On s'arrache. Là, on a récupéré un autre camion-citerne. On s'arrache. Ici, on se déploie pour pouvoir faire le plein et récupérer ce véhicule. C'est un fort sympathique. On s'arrache. Toi, tu récupères ça. Et après, tu t'en vas. Du coup, j'ai l'impression qu'on n'a globalement plus rien à récupérer. Fusil de précision M99. J'espère que là, les mines vont pas nous faire mal. Visiblement, ils sont pas les seuls à rester coincés là, les mecs. Oula. Oula, 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 oula. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Pas de panique. Ok, ici. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ok, il se pose juste là, pas de problème, ça me va. Allez, on va dire qu'on a à peu près nettoyé, reste des camions à droite à gauche, mais ça nous intéresse pas trop. Il y a le Bradley, mais on peut pas le prendre. Donc, on se replie. Toi, t'as le plein, c'est parti. Toi, pas la peine de s'embêter avec le plein. Allez, go. Est-ce qu'on a des gens coincés là? Oui. Allez, c'est parti. On est décoincé. Sérieux, mec? Putain. Ok, donc c'est de la mine anti-véhicule en fait. Les gars, quoi? Elles sont pas visibles, les mines là? Vous les voyez pas? Putain. Ah, il y a des fusils de précision laser ici. Oh non! Ah, mais c'est pas possible! Là, c'est terminé la mission là! Faut arrêter les conneries, demi-tour! Embarquez-moi là-dedans! Stop, arrête-toi! Ah, sans blague quoi! J'y crois pas.
Oh là 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 là. La douille quoi. Bon, on a réussi à passer par là visiblement vu que le camion a réussi à nous atteindre. Camion citerne. Ah, j'en viens pas. Ah, la douille de fin de mission, les REV6 qui traînent, les mines qui nous explosent des véhicules. Magnifique. Allez, tirez-vous, on vous rechargera de toute façon, c'est pas grave. Il y a des fusils de précision laser. Alors, est-ce qu'il nous reste des snipers? Ouais, il nous reste du sniper là. Et vous êtes déjà au laser. Ouais, ok, bah tiens. Bah vous, allez, c'est parti. Non, qu'est-ce qu'il fait? Stop! Ah! Putain! Mais ça suffit d'être con! Ok, faut que vous alliez jusque là, visiblement. Bon, le sniper, on reprend. Le sniper, tu vas nous récupérer un fusil de précision laser. Ça te fera un petit peu d'amélioration. Ça y est, allez, pareil, bah vous allez par là, on va vous faire le grand tour. Sans blague quoi. Blague. Allez, go. Et ici, il y avait... Ah, ici, il y a des... Ah, stop. Non, merde, on a sorti nos rangers. Ici, il y a des bulldozers. Ça aurait pu être intéressant. Mais il n'y en a plus de pilote. Enfin, il nous en reste un là, du coup. Et il a les snipers encore, si il est sniper. Le sniper, on lui fait son laser et on va choper un... Alors du coup, tu vas là. Ok. Et après, tu vas là-bas. Toi, tu sors. Toi, tu vas là. Et lui, va falloir qu'on lui mette l'amélioration de moteur, hein, parce que la vache, qu'est-ce qu'il est lent. Mais qu'est-ce qu'il est lent. On se met autant de carburant pour être aussi lent, c'est triste. Et bah du coup, vu que t'as perdu ton véhicule de camion-citerne, tu vas aller choper un bulldozer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Lui, c'est bon, il a le laser, reviens là. Bon, ça se fait, ça se fait. Du snipe. Ah, j'en reviens pas. Je me disais, les mecs tout à l'heure sont passés, ça va, au final, les mines sont désactivées, quoi. Je me suis pas du tout méfié. Grave erreur. Du coup, ce véhicule-là, si on avait pu le sortir, de toute façon, il était mort. Il n'y avait aucun moyen d'éviter les mines. C'était ingérable. Ah, il y a un petit bug de civil, visiblement. Mais du coup, est-ce qu'on peut se dire, on ressort du monde. On pourrait sortir d'autres personnes, d'autres conducteurs, mais pas, on peut pas récupérer les gens qu'on a sortis. Okay, je me disais, est-ce que je peux pas re-rentrer un... Genre sortir le Bradley et puis... rentrer... juste faire sortir l'équipage, quoi. Ramener juste l'équipage. Je pense qu'ils auraient aussi vite à pied les mecs dans le transport de troupes. Et lui, là, il est quasiment arrivé. Il a le temps de faire l'aller-retour. Allez, ramasse-nous ce bulldozer et après, t'auras le droit d'être reposé.
complexe cette mission, mine de rien. Il y avait tellement de troupes, tellement de trucs risqués partout. Immobilisé, pourquoi t'es immobilisé? T'as plus de carburant. Ah oh non, fais chier. Ah, ah. Ah non. Ah, ah. Ah merde. On a plus de carburant et on a cramé tous les camions-citernes. Il y avait un autre camion-citerne là-haut, je crois. Ouais, mais il y a les RF6. On va pas y aller. Fuc. Est-ce que l'autre c'est pareil? On va regarder. Bon, bah tant pis. Hein. On ira comme ça. Hein. On a déjà bien rentabilisé la mission quand même, je pense. En plus, on a tué tous les commandants du cartel, donc on va peut-être avoir un bonus. Allez, sortez. Regardez si c'est pareil pour celui-là. Ouais, immobilisé, plus de carburant. Allez, merde. Essaye d'aller par là quand même. Mais je pense que je l'avais. Ouais, non, c'était le camion de carburant qui était là. Tu peux ramasser ça, c'est quoi? Fit de précision 99, non. Non, ouais, ok, c'est bon. On va pas prendre 100 ans à faire tout le tour. Allez, on évacue. C'est bon. Si on n'avait pas le camion citerne qui avait explosé là, on aurait peut-être pu, mais faut pas non plus grider à fond. Ou alors, je vais voir un coup par là. Ouais. Je vais jeter un œil à ce parking. Pour être sûr. Allez, go. On est gourmand. Alors, on peut pas accélérer la vitesse. C'est la petite partie de loot de fin. Puis alors, vu que notre véhicule est hyper lent, voilà. D'ailleurs, toi, tu peux sortir. Dans tous les cas, on n'a plus besoin de toi. Puisque c'est... Au pire, on gardera les deux bulldozers si on trouve un truc. Un camion-citerne, le camion-citerne, on le droppera. Allez, cours, petit snipeuse, cours. Et ce qui est cool, c'est qu'on a perdu au final peu de troupes. On a les unités qui ont été assez laminées, mais qui n'ont pas perdu de... Enfin, qui n'ont pas disparu. Alors, je crois qu'on a perdu qu'une seule unité de milice en complet. Donc on va pouvoir les recharger. Ok, non, il n'y a rien sur le parking. Il n'y a rien sur le parking, donc c'est mort. Hop, allez, on s'arrache. On va faire la fin de mission. Et c'était quand même une belle mission. Franchement, hyper dense, vraiment intéressante, tactiquement très intéressante. Les petits RF6 à la fin, là, qui viennent foutre la grouille. Le fait que les mecs deviennent des alliés et arrêtent de combattre quand on arrive à tuer les commandants du cartel. Vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Bon là on s'est fait piquer un char, je n'ai pas fait gaffe si c'était les anciens du cartel ou pas, ou si c'est fait exploser peut-être. Il nous reste plus que elle qui court avec son nouveau sniper, et après on est sorti. C'est vrai que j'ai pas perdu trop de temps à looter les trous, j'avoue, enfin les objets. Mais bon, c'était bonus. Dans les réserves on est d'accord, il n'y a rien qui est revenu, non, parce qu'il nous dit là... Il nous dit qu'on peut sortir plein de trucs, mais c'est ce qu'on pourrait amener, quoi. C'est pas du tout ce qu'on est capable d'amener. Allez. Une bonne chose de faite. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu des trucs que j'ai oubliés qui étaient flagrants. Eh bien, c'était la violence. On a perdu 76 soldats, 4 véhicules. Contre 40 véhicules ennemis et 549 unités d'infanterie ennemie tuées. C'est quand même propre. Hein. On s'en est bien tiré. Alors, voyons voir la global map. Cartel all dealt with? The rebels are rounding up the last few commanders, but it's over for the cartel. Everything that was theirs belongs to the movement now, to use against Legion. Don't worry, we'll put it to good use. So, what are you gonna do now? Plenty of work to be done here. Fixing what's been done to these people. It'll take a while, but we'll get the cartel territories incorporated into the movement, and ready to help in the only war that really matters. Glad we're here to help make that happen. We could do with some help to get ourselves back into the main war again, though. Take what you need from the supply warehouses. I'll make sure you get plenty of goodwill credits, too.
Good luck with the rest of your mission. Troublemaker. What now, sir? Break camp. It's time to move on. You sure about that, sir? What do you mean? Sure you don't want to stay longer? Build some shacks, make some water pumps, give out lollipops to kids? Got a point you want to make, Sergeant? Damn right I do, sir. The cartel was scum, but we're in this war to beat the wireheads, not help civilians wipe their own asses. We're founders, soldiers. We got a war to fight, we fight it. That's what we've been doing. This is all a part of the same war. The cartel were Legion allies. Now they're gone. The movement are our allies. And now we've made them stronger. You making alliances on behalf of Founder Command? Don't remember that being our orders, sir. I'm doing whatever it takes for us to win this war, Sergeant. Consider yourself dismissed. Yes, sir. Gladly, sir. Ouais, il est un petit peu mécontent, hein. Ok, on a gagné 20 000 crédits et on a de nouveau 4 jours de ravitaillement. Donc si on veut aller au camp principal des intégrateurs, c'est 7 jours du coup. Bah, pas assez. Alors déjà, il faut qu'on réapprovisionne en munitions pour 44 000. Ok, très bien. On répare tout le monde pour 600. On soigne, il nous faudrait 56 troupes. Ok, très bien. On a récupéré de l'équipement. J'aurais dû encore une fois attendre avant de faire les munitions. Parce que du coup, on n'est pas bien. Il va falloir qu'on change d'équipement et compagnie. On n'a pas l'air d'avoir de moyen de faire du troc ici. On va juste mettre quelqu'un pour piloter ça, du coup. Hop, voilà. On n'a même pas assez de pilotes pour tout, au final. Tous nos véhicules sont blindés de pilotes. Mais il va falloir qu'on en vende un certain nombre, dans tous les cas. Ok, du coup, on va retourner, je pense, à Nueva Tortuga. C'est globalement... le truc dans la zone le plus intéressant, on y va. Happy now, Sergeant? We're on our way back to the main war. Not my place to say, sir. You give the orders, we carry them out. That's how we do it in the Founders. Mason, listen. If we're gonna survive out here, you and I need to... Lieutenant, Sergeant Mason, we got a problem. What's up, Corporal? All the radio frequencies are dead. Just nothing but white noise. An ambush? We're being jammed? No. It's coming from way behind us. Can't get a better fix on it than that, though. Still don't like this. Agreed. Send out extra scouts. If comms down, make sure they all start within visual range of at least one other unit. Everyone, on full alert. On it. See? This is how it's supposed to work. Founders Fidelis, right? Yeah. Founders Fidelis, sir. Wow, you guys survived. Yeah. Got a problem with that? You don't know what happened? Jess is gonna be real surprised you made it back. You mean Commander Kidd? She's here, not at Albuquerque? Wow, you guys are really out of the loop. Better get to HQ. Qu'est-ce qui s'est passé? Lieutenant? Sergeant? God, you're alive. What did we miss? What's happened? Chihuahua City is gone. An overwhelming attack by the machines. We lost all communication with them. Just white noise. And our only air recon that made it back said the whole city was destroyed, with only machines left in the ruins. We picked up the white noise, but I didn't realize. Oh my god, all those people there. We should have stayed. Try to defend them. And then you'd be dead too. Our recon managed to pick up some survivors. They said the city defenses were destroyed in the machines opening artillery bombardment. Then some kind of new combat units were airdropped in to wipe out the population. Legion knew exactly where to hit us. Where to strike with the most force. Almost like someone had briefed them. The cartel. Some of them must have survived. Then they have been working with Legion all along. Legion left the cartel territories alone as long as the cartel was still useful to them. But as soon as the cartel had fallen... Legion moves in and eradicates anyone still there. God. Those people there. Luis. Lucia. They died as free human beings, fighting the machines, and not as slaves of those cartel traitors. Trust me, it's what they would have wanted. Fancy talk about freedom might look good on headstones and monuments, but it ain't gonna win a war against the wireheads. That's why we needed a unit like T-Force, Sergeant.
real soldiers, to show us how to fight, to show us our enemies can be defeated. You've done that. We can take it from here. On your own. What about what happened to the people at Chihuahua? They were taken by surprise. We'll reinforce New Tortuga, make it our new strong point here in the south. If the machines come, we'll be ready for them. Continue with your own mission, but you can use this town as a new supply point. So, what are we gonna do? Those people in Chihuahua, we thought we saved them, and they still all died. A lot of people have died. A lot more people are still gonna die before this war's gonna be over. But we keep going. What other choice we got? Founders Fidelis, Sergeant? That what you're saying? That's what I'm saying, sir. Get some rest. Then we'll get on to that integrator camp and figure out what to do next. Ok, bah, dis donc, pas cool. Chihuahua est donc perdu. Bon, bah, je vais quand même faire la partie gestion. Il faut qu'on récupère 4 jours de ravitaillement. Ça va être tendu, je pense. Ouais, faut qu'on récupère 4 jours de ravitaillement, qu'on retape nos troupes et qu'on soit prêt à aller là-bas. Je vais gérer aussi les différents équipements. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.